voilà, du coup, on a tressé ça dans l'équipe. What the fuck? On va te remettre à ta place, sale petite anguille. Le capitaine Lyon Pastral. Et salut vous les bambis, bienvenue sur l'épisode d'Octopus Traveler. Et aujourd'hui j'ai besoin de soin, par pitié. Monsieur, est-ce que ça va? J'ai mal, au secours. Ah, ça va beaucoup mieux. Salutations à vous les bambis, donc dans cet épisode nous allons continuer notre tour du monde pour agrandir notre équipe. La prochaine étape sera d'aller voir Olberic, qui se trouve à Paveton juste au sud, donc on va aller voir tranquille. Et après il manquera plus que Primrose, Alphim et Therion. De toute façon là on a fait littéralement la moitié des personnages du jeu, on a pris la moitié. Donc on a une team de 4 et le prochain sera Olberic. Il faudra faire un choix parce qu'il faudra que je remplace quelqu'un dans le tas. Et quand même ils ont plutôt des niveaux équilibrés, hein, c'est pas mal. Hey, that's pretty good. En fait j'ai tendance à remplacer le prochain personnage par celui qui a le moins de niveau. Mais le problème c'est que vu qu'Olberic c'est un guerrier, logiquement c'est ça peut-être remplacé par Ophelia qui est arrivé en second, mais Ophelia c'est mon heal donc. Du coup je suis un peu emmerdé. Enfin bref, bah écoutez, rock'n'roll, on va se diriger tranquille vers le sud. Dans ton cul. Si les monstres veulent bien me laisser tranquille, évidemment. Qui dit plage dit coffre. L'argent. Une noix magique, ok. Alors les noix dans ce jeu, ça permet d'améliorer les stats de façon permanente. Mais bon, je garde tout ça pour la fin, ça sera beaucoup mieux. Putain, je kiffe tellement le sort acolyte de Tressa. Oh là là, ça fait tellement du bien. Par contre, le problème, c'est que je dépense, je crois, c'est 152 feuilles. Et je loot 120 feuilles sur les mobs, donc c'est pas très pratique. Est-ce qu'on peut prendre de nouvelles compétences? Non, ah ouais. Ah oui, c'est objet infini. Il me faudrait la deuxième aptitude de soutien. Qui fait que je pense que je gagnerai plus de sous en combat, si j'ai pas de bêtises. Ah aussi, d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais l'aptitude spéciale de Tressa, c'est la collecte en fait. À chaque fois que je vais dans une nouvelle zone, je récupère de l'argent gratos, voilà, soit abandonné par les aventuriers morts, délaissé par les ténèbres. En gros, la collecte me permet de ramasser gratos de l'argent abandonné par les aventuriers morts en combat à chaque fois que je traverse une nouvelle zone. Non, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a à droite? Un coffre, évidemment. L'argent. Qu'est-ce qu'on a? Une prune simulante, pourquoi pas. Bon, écoutez, on va vite se grouiller pour aller dans la prochaine zone. C'est le prix de piaf, quoi. Bon. Où est-ce qu'on en est? Je pense qu'on approche bientôt de la prochaine zone. Vers le village d'Olberic. Oh, il y avait un coffre. Et alors, qu'est-ce qu'on avait dans ce coffre? Pierre devant, pourquoi pas. Pierre, je pense que ça sera très pratique pour la fin. Ah, on voit le changement de décor. Et du coup, on arrive dans le ravin de Paveton Nord. Danger de niveau 7, ah ouais, putain. Je suppose niveau 10, enfin plus de niveau 10 en tout cas. Donc voilà, une nouvelle zone avec un petit coffre caché ici. Pierre de lumière, il faut aller où là? What? What the fuck? Ah non mais putain j'ai pas vu. Fallocine. Bah, des fois les décors c'est assez compliqué donc. Bon t'as un cul-de-sac pour faire tout le tour tu sais. Bon qu'est-ce qu'on a comme Bambi ici? Et peut-être du coup de nouveaux monstres à capturer parce que c'est vrai que mon stock est un peu à la ramasse. Je vais. Est-ce que tu fais le quoi toi? Je suis sûr qu'il fait belle épée ce con. Cyrus tu défends. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a comme Pokémon ici? Puissance 2, c'est pas terrible hein. Ah bien je peux pas voir la puissance. Ah c'est pas terrible ce qui est ici hein. Ça m'intéresse pas honnêtement. Ok donc, lui il est bien faible à l'épée. Je suis sûr que le Jean-Michel Gutopton là il doit être faible au vent. Ah. Je pense que les piafs ils sont faibles à la foudre, on va tester ça. Pas du tout, ok. Ils sont tous faibles au vent, mais j'ai pas de sort de vent en AOE. Oh oui. Bon, ça avait un peu à l'arrache le combat, bon. Au moins l'un te tape assez fort. Oui, je me suis fait aucune thune ça. Ouh là là. Ouh là 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 là. Faut vraiment que je évite de trop bourrer l'alcoolite parce qu'à coup de 150, ça va y aller.
Bon, bah voilà, un petit 1200. Qu'est-ce qu'on a ici? Ravin Pavillon Sud et Gué des Rocs. Il faut qu'on aille du coup. Bah, Paveton, Gué des Rocs, c'est quoi Gué des Rocs? C'est là-bas, non? Ah, Gué des Rocs, c'est là? Ah, oui, d'accord, c'est à l'est, mais c'est pas seulement Gué des Rocs. Ouais, il faut que je parte au nord en gros. Faut que j'aille au nord. Donc, on va aller au nord. Il y a un coffre là. Que je peux aller chercher. Ah merde! Mais non! Ouais, des petits rats! Il y a des petits rats! Oh oui, ah non, ils sont faibles au... What the fuck, au ténèbre, d'accord. Je vais tenter un coup de poker. C'est vrai qu'ils sont faibles à l'épée. Oh oui! Et quand même, c'est pas mal de dégâts. Hein. Sauf que plus tard, ça fera plus de dégâts. C'est... Moi, j'utilise seulement pour le bonus de défense. Hein. Rappelez-vous ce que j'ai dit l'autre fois. De toute façon, ils sont en faille, donc je balance n'importe quoi. Ils vont crever. Voilà. Du coup, c'est pas mal là, j'ai gagné pas mal de récompenses. Ouais, t'as c'est quasiment. On suit aucune expérience ici, c'est ouf. C'est ouf. Par contre, on a le coffre à droite. Ah merde, putain, attends. Ah, attendez, faut que je fasse demi-tour là, ça va pas là. Ah, peut-être faut passer par là. Ah non, c'est bon, ok. C'est un nouveau chemin. D'ailleurs, il y a une grotte ici. La grotte des dieux. Qu'est-ce qu'il y a comme grotte là? C'est quoi ce truc? Danger niveau 15. Oh, on pourrait presque y aller. Vous savez quoi, je vais faire un truc, c'est les combats ici sont pas très intéressants, je vais prendre la manœuvre d'invitement, donc voilà. Ça part grand chose. Histoire d'avoir un peu moins de combats, histoire qu'on rush un peu plus. Versus. De toute façon sur la route, il ouais, y a pas mal de coffres, vous voyez qu'il y a même un coffre en bas à gauche, mais je crois que ce genre de coffre, on l'a pas vu, c'est un coffre tout violet, qu'on ne peut pas ouvrir parce qu'il faut un personnage spécial. Et je vous laisse deviner. Pas trop compliqué. Mais bon, c'est vrai que, putain, tous ces coffres, vraiment, on les notait pour un jour tous les ouvrir. C'est vraiment du très très bon stuff dedans. Du moins des très bons items. Alors. Il faut que j'aille. Oulala. Il faut que j'aille à l'ouest. C'est normalement une route qui va partir à gauche pour rejoindre la ville en question. Petit coffre là. T'as qu'un manœuvre d'évitement, c'est tellement mieux. Vous voyez la différence du coup. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. On passe en dessous. Ça sent le passage secret, c'est pas mal ça. Et on va où là? On va où? Dans ton cul. T'as quand même, je suis bien content d'avoir l'Inde. Parce que bon, elle fait quand même énormément de dégâts, c'est ouf. Hein. Et on a 1000 feuilles. Bah, c'est bien, c'est bien. On va remonter, on va reprendre le pont. Ah, attendez, ils sont remontés par là. Ah, attendez, reprendre le panneau, qu'est-ce qu'ils disent? Paveton, donc du coup, faut que j'aille au nord. Ok. J'ai bien fait de regarder la pancarte. Et, effectivement, on voit le début du village. Qu'est-ce qu'on est ici? Non, je crois que ça va vers la route en bas à gauche. Je vous garde une, on verra ça demain. Voilà! Et du coup, on arrive à un nouveau village! Donc, je vous laisse admirer le décor, comme d'habitude, voilà. Et on a Olbeik ici, bonjour Olbeik, j'arrive. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Bon, c'est vraiment un petit village rustique, on va dire. Accès ferme, élevage de petits moutons et de vaches. Bonjour monsieur, je suis là pour te provoquer. Non, évidemment, on va aller parler. Et vous êtes à Paveton, notre petit bourg dans les collines. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on peut acheter maintenant. Qu'est-ce que t'as proposé? Ouh. Alors attendez, on va faire un truc d'abord. J'aille, bah, la forge qui se trouve juste ici. Faut qu'on fasse notre stuff un peu. Celle-là, on est un peu à la ramasse. Qu'est-ce qu'il nous propose? Des nouveaux boucliers. Ça va déjà les boucliers, vous savez quoi, je vais en prendre 4. Voilà. Ils sont en équipe immédiatement, bien sûr. On va se refaire un petit stuff là. Je vais vous montrer un peu comment on va faire ça. Comment ça se fait que ces armures sont pas? Il y a des coffres qui sont axés uniquement physiques et d'autres il y a un peu de tout. Et cela c'est que du physique, ça marche pas. Le gel argenté, ouais, ça a l'air d'être ouf quand même. Ça a l'air d'être un peu cher quand même. 4000? 4000? Ça fait 16000 si j'en jette 4. Non. Attendez, toi. Toi, tu vends quoi, toi? 2000? Un gilet de fer? Qu'est-ce qu'il vendait là? Un gilet argenté? Comparons les stats. 60-68, ouais, quand même, c'est pas mal. Hein. Mais je crois que j'ai acheté son gilet à lui là. Il peut être en mal. 36-49. Alors, il faut savoir que quand on achète un item avec Tressa, on a une chance de marchander en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut récupérer. On peut réduire le prix. Donc, voyons voir. Là, on l'achète pour 2100. Et non, ça va pas super, dommage. Dommage. Dans ton gueule. Olbeik, il a rien à vendre, forcément. Bonjour. J'ai pris les dieux pour que me ramener mon garçon sain et sauf. Ah, déjà, voilà, des problèmes de garçon, voilà, vous en faites pas. J'ai la spécialiste, Géophilia. Est-ce qu'il est utile pour faire des sacrifices? Je veux dire, pourquoi pas vendre? Et pourquoi tu veux pas le vendre? Papy, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'as? Raisin curatif M. Pff, ouais, je vais le prendre, allez, vas-y, on va le prendre. Eh bien, jeune fille, je vous suis reconnaissant d'être venu aujourd'hui.
Ok, c'est quoi? Qu'est-ce que t'avais à dire? Bande de brigands phéniciennes dans les parages depuis quelques temps. Je vous conseille de faire preuve de prudence si vous prenez la route. Non, mais les épées, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, mon gars. Bonjour, madame. Je vais pas parler à tout le monde pour l'instant. C'est un peu compliqué. Précision plus 10, c'est de la merde. Faut vraiment regarder tous les PNJ. Des fois, ils vendent des trucs, mais très très intéressants. Président 48, je prends. Qui blablabla. Fouillons les portes. Enfin, genre les maisons, y'a personne. Ah, attendez. Je crois que je peux aller là-dedans. Bonjour. Ah oui, c'est l'auberge. C'est l'auberge. Personne dedans. Y'a pas grand monde, hein, c'est ouf. Ah, attendez. Ah non, lui, j'ai déjà vu. Allez, le mec en haut à droite. Toi. Toi. Qu'est-ce que t'as à vendre? Qu'est-ce que t'as à vendre, Bambi? Rien d'intéressant, lol, ok. Dans la maison, qu'est-ce qu'on a? On a rien, ok. T'as, y'a personne. Dans... Oh, c'est trop paumé, quoi. Y'a des bébés en bas à droite, c'est trop mignon. Enfin, bref, trêve de conneries. Oui, c'est vrai, je vais acheter du stuff. Les cas sont pas terribles, je vais pas m'en acheter. Et vous savez quoi, vas-y, on craque. Sur la fuck the police, je vais acheter un gilet argenté et je vais le donner à... Oulala, à Tressin. C'est équipé maintenant. Voilà. Du coup, ce que je compte faire, on aura 4 armures complètes qu'on battra genre entre les personnages. Donc ça sera plus simple au lieu de stuffer tout le monde. Ça va coûter beaucoup trop cher. Ça, vous verrez que plus tard, il y aura des items un peu qui coûtent un peu cher, on va dire. C'est que ça fait un peu mal au portefeuille. Non, quoi. Olberic. Bonjour, monsieur. Maudit soit-tu, il faut être un scélérat de la pire espèce pour prendre un enfant sans défense d'un otage. C'est qu'un enfant, c'est bon. Tiens, mon Philippe! Je viens de chercher! Philippe, quoi, mais sinon, on me fera toujours délirer. Enfin, du moins, ce prénom. Ce guerrier, je nomme. Philippe! Je nomme Olberic. À Paveton, un paisible village de haute terre, il met son épée au service des habitants sous le nom de Berg. Jadis un grand chevalier, il a perdu son royaume et son roi, ainsi que la raison qui le motivait à se battre. Aujourd'hui, il cache son identité, fuyant son douloureux passé. En ce jour fatidique, des bandits attaquent ce nouveau foyer et enlèvent. Philippe! Un jeune garçon qu'il admire. Olberic empoigne son épée et se lance à la poursuite des brigands. Il lui faudra l'aide de vaillants alliés pour emprunter la voie qu'il a choisie, la voie des dieux. Emmenez Olberic, oui, bien sûr. Ah voilà, non, du coup, c'est là que ça va être le guac. Qu'est-ce qu'on va virer? Franchement, je kiffe Léody, je sais pas combien de fois, mais ça me fait chier de le virer. Parce qu'il nettoie bien, mais bon, je vais être obligé de le virer quand même. Donc, Cyrus, excuse-moi, bah je vais te remplacer. T'es l'enculé! Oui, pour le stuff, on verra après, vous en faites pas, on verra plus tard. Comment c'est l'histoire, évidemment. Évidemment! Évidemment. これに、なぜここまで。この男、間違いない。オルンブルグに名高き剛健の騎士、オルベリク・アイゼンバーグ。その名を知ってな、挑むな。我が剣の錆として。己。 剣の騎士といえど、この数には。待て、左翼から敵の援軍が。これ以上連中に好き勝手させるのをオルベリク殿に続け。ここまで攻めながら。 撤退だ。一度体勢を立て直すぞ。オルベリク殿、よくぞしのいでくれた。いや、この程度は問題ない。悪い、ここを任せてよいと。陛下のもとへ向かわれるのか。 敵軍が左右から挟撃してきた。それに対して陛下からのご指示が。だが本陣には。エアハルト殿はいる。それは分かっている。エアハルト殿はあなたと共にホレンベルグの双璧と称される騎士。彼がいれば本陣は大丈夫かと。
だがこの状況だ。伝令に何かあったのかもしれない。陛下のお言葉があれば兵の士気も上がる。俺が状況を確認してこよう。かたじけない。それまでは我らが必ずや食い止める。頼む、武運を祈る。オルベリク殿もどうかご武運を。陛下の警護の者が倒されている。しかしこの剣筋は。エアハルト、エアハルト、どこだ。そうか、お前はあの時の。ハルト、これは一体。エアハルト、なぜ陛下を。なぜ、お前に言っても分かるまい。切ったのか、エアハルト。ああ、裏切った。それがどうした。エアハルト。共に騎士になっていく年、こうして剣を交えるのは何度目か。そして何度も言った。お前の剣筋は見切っている。それは俺も同じことだが、私はお前に全ての技を見せてはいない。この日のためにな。またあの時の夢か。何の用だ、フィリップ。わ、すごい、よくわかったね。寝ていても気を張り巡らせるのが騎士。いや、剣士というものだからな。ふーん、やっぱりバーグさんはすごいな。あ、そうだ、村長さんから頼まれたんだった。バーグさんを呼んできてくれって。いつもの広場で待ってるよ。そうか、すぐに行くと伝えてくれ。僕は先に行ってるね。いつもの広場に早く来てね。あれからもう何年だったのか。国は滅び、あてもなくさまよって、この村にたどり着いてからバーグという名で素性を隠した。今は用心棒まがいの仕事と剣を教える役目を得た。戦うことしか知らない武骨なのに、結局のところ残ったのは剣だけだった。敬愛していた陛下や国を守れず、この剣、一体何年経った。
その答えは出ないが。なんせよ、この村には恩がある。まずはそれを返してから考えよう。さて、村長に会いに広場へ向かうとしよう。Ah mais non, cette cinématique de l'éternité! À moins que ça continue, je sais pas. Bonjour messieurs! Vas-y, on va faire un peu le doublage un peu là, c'est là. Sinon je vais rien foutre de la vidéo, moi. Patrouille matinale en rapport, rien à signaler. Moi je suis la même voix pour les deux Gugus, sans feu exact. Ravi de l'entendre. Vous êtes deux aujourd'hui? La tournée d'inspection ne saisit qu'un seul homme d'habitude. Parce que moi je suis une tanche, pardon. Et oui messieurs, le chef du village a jugé qu'il fallait mieux. Des brigands sévissent dans les collines en ce moment. Voilà quoi. Un pauvre marchand s'est fait triper pas plus tard qu'hier, un spectacle à vous glacer le sang. Mais j'ai connu la guerre, moi. Nous vivons une époque bien troublée, on n'est jamais trop prudent. Il paraît que le chef du village veut me voir. Pour le du. Ah oui, je l'ai entendu dire qu'il vous cherchait. Il doit être encore être sur place. Enfin, sur la place, pardon. À présent, si vous voulez bien nous excuser, monsieur. Patrouille matinale, en avant, marche! Ah mais vous êtes que deux, pas besoin de gueuler, c'est bon. Vous êtes que du gugus dans un village où il y a 6 bambis, 3 moutons et 2 vaches. Bon, après, il y a les brigands. Bon, Olberic. Olberic, qu'est-ce que c'est notre petit Olberic? C'est un guerrier, si je me bêtise. C'est ça, c'est un guerrier. Et ma foi, cette classe est très intéressante parce qu'il y a des compétences vraiment funky. Bon, la première, c'est la taillade horizontale. C'est littéralement comme le coulage de l'Inde. Donc ça fait pas mal le ménage au début, ça très pratique. Insoumission permet de booster l'attaque physique pendant 3 tours. Fer de lance, ça permet de faire une bonne attaque physique. Et au prochain tour, ça donne l'initiative. Juste pas trop ce sort, c'est pas trop pratique, je trouve. Incitation, ça je crois c'est le meilleur sort du guerrier, c'est trop énorme. Pendant 3 tours, le personnage attire les attaques à cible unique visant ses alliés. C'est littéralement un taunt en fait. Bon évidemment, si le mec en face, par exemple un boss... fait des attaques en zone, bah ça sert à rien. Et utile à 75% du temps, je dirais. C'est trop bien cette compétence. C'est ce que j'adore surtout dans le guerrier. Frappe croisée, c'est une puissante attaque à l'épée. Ça fait énormément de dégâts, ce truc, c'est ouf. Rempart, je dis jamais, ça augmente la défense. Mais bon, avec Tressa, avec les marchands, il n'y aura pas de soucis. Puis avec une autre classe plus tard, on verrait. Et volée de lance, c'est comme la pluie de flèches de la chasseuse Anit. Ça attaque des ennemis aléatoires entre 5 et 10 fois la lance. Et imaginez, voilà, un boss qui est faible à lance, qui est tout seul, vous pouvez lui infliger entre 5 et 10 fois de coups de lance, donc pour péter son bouclier, c'est énorme. Puis après, bah, la dernière aptitude, ça c'est la surprise. Voilà, donc guerrier, c'est limite un peu au run de FF10. Hein. C'est un gros bourrin, beaucoup de PV, beaucoup d'attaques physiques, de défense, un gros tank, et l'incitation, c'est énorme ce spell. J'adore ce spell. Du coup, c'était la triste présentation, le stuff, on verra après dès qu'on a retrouvé les autres bambis. Donc, vous allez voir le chef du village, qu'est-ce que t'as à dire toi? Je crois que je t'avais parlé toi. On m'a confié le commandement de la milice locale. Des brigands rôdent dans les collines alentours et causent toutes sortes de problèmes, ces petits cons là. Si on savait où ces brigands se cachent, on pourrait les débusquer, mais ce n'est pas le cas. Ah bon? Je suis sûr qu'ils sont à 100 mètres d'ici. Enfin bref. Voyons voir Papy! Papy, qu'est-ce que t'as à dire? Je suis mieux. Ah, Berg, vous voilà! Eh bien, bonjour monsieur. La mère de Philippe. D'accord, ah oui. Bonjour à vous. Philippe a fait savoir que vous vouliez me parler. Oui, oui, j'irai droit au but. On nous a signalé la présence de bandits dans les collines. J'ai constaté que vous avez fait doubler les patrouilles. Est-ce que ces bandits donnent de l'XP? Oui, je comptais également vous demander votre aide. Les villageois n'osent plus s'aventurer dans les collines de peur de croiser des bandits. Nous ne pouvons donc ni relever nos pièges, ni chercher du bois de chauffe. Vous cramez Philippe, l'enfant, voilà. C'est une bonne bûche. J'attends avec ça. Une situation pour le moins délicate, vous en conviendrez. Bon, je m'en occupe. Où puis-je trouver ces malandrins? Ces chiens de Saxon. Je crains de ne pouvoir vous indiquer précisément où ils se cachent. J'ai bien envoyé des hommes à la recherche, mais... En attendant, pouvez-vous entraîner la milice? Je sais pas que c'est un peu l'étanche, mais... Nos hommes sont pleins de bonne volonté, mais ils s'avèrent bien incapables de faire la différence entre la pointe d'une épée et son pommeau. Ah oui, quand même, à ce point-là. C'est comme si c'était fait. Je vais leur faire une putain de guerre. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Oui, Bambi, il faut dire bien que c'est Rambo, hein, excusez-moi, ça va plomber de même de Rambo et de Jean-Claude Van Damme, c'est n'importe quoi. Monsieur, si ce n'est pas trop de vous demander, mais mon Philippe pourrait-il participer à l'entraînement? Philippe? S'il le souhaite, il est bienvenu. T'imagines, c'est le combat contre Philippe, là, le gamin de 5 ans, là, c'est BAM! Coup d'épée dans le crâne, là! Oh, ça, il ne demande pas mieux, croyez-moi. Il m'harcèle à ce sujet depuis des semaines. J'ai un brave garçon, ce petit con, ce Philippe. Il a du cran et de l'ambition, et il s'est choisi un excellent modèle en la personne de Berg, excusez-moi. Ouais, en plus, c'est pas n'importe qui au Berg, quoi, c'est... Le mec, c'est une armée à lui tout seul. Mon mari est mort, vous savez, pendant la guerre. Et mon fils arrive à un âge où il a besoin d'un père. Je suis ton père. Ah Allô? Je suis... Ah non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Votre fils est déjà un atout précieux pour ce village. Je serai honoré de l'entraîner. Vous êtes trop bon, monsieur. Alors, si décidé, entraînez ce garçon comme il faut et faites en sorte que sa mère soit fière de lui. Comptez sur moi. Je lui ai défoncé sa gueule. Toi aussi, je peux te... Ah oui, c'est vrai, l'entraînement. Donc après, vous me demandez quelle est la capacité spéciale d'Olberic. Alors, il y en a deux. La première, donc là, vous pouvez voir en bas, défier, c'est comme l'action provoquée de Anit, c'est exactement la même chose. Sauf c'est une action noble, voilà, c'est pas une action rogue. Donc ça, c'est bon à savoir. Et l'autre, la défense accrue, c'est intéressant, c'est quand on dépense des points d'exaltation, et ben on peut... Olberic est le seul à avoir une défense à plusieurs niveaux. Défense niveau 2, niveau 3, niveau 4, c'est qu'en gros il peut mieux tanker en quelque sorte. Mais ce truc j'ai jamais utilisé, lol. C'est pas trop utile donc, enfin bref. Bon bref. C'est l'heure de casser quelques bouches. Mikeleski. Je propose un combat singulier à la loyale. En garde. J'ai toujours l'honneur de s'entraîner avec un gars de votre trempe, monsieur. J'adore me faire péter la gueule. Bon, de toute façon, c'est un troufion. Allez, juste pour le lol, on va faire une petite insoumission! Oui, c'est ça, vas-y, fais une garde, t'as raison. Mudeta, trop faible! Trop faible! Si faible! Wow. Ah, quand même, vous avez vu les dégâts 70 par coup? Sous faille, alors qu'il est niveau 1, Obéric, hein. Imaginez plus tard, quoi. Vous voyez, de toute façon, le guerrier, ça fait énormément de dégâts, c'est ouf. Mais bon, ça sert à rien, monsieur, on n'est pas de taille face à vous. Vous hésitez trop, se protéger est important, c'est vrai. Ne l'emporterez jamais si vous manquez le courage de frapper. Mauviette. Mauviette. Si vous le dites. Bon, maintenant, à tout tour. Est-on prêt à m'entraîner, monsieur? S'il vous plaît, tapez-moi fort. T'inquiète, je vais aller tout doucement cette fois-ci. Grâce à la soumission! Oh, c'est faible à la lance, ce con. Oh, il est même faible à la lance, putain, vous êtes vraiment des sacs à merde. Hein. J'ai désolé de le dire, mais. Petite taille horizontale pour le lol. Ouf! Ah, quand même, voilà. Presque 400 de dégâts en AOE. Alors que je rappelle, je suis toujours niveau 1. Bon, maintenant, je suis niveau 2, mais. Donc, ouais, c'est juste pour présenter un peu le système de défier. Blablabla, je me suis fait encore avoir. Quant à vous, vous attaquez des mères au trop d'ouverture à l'adversaire. Voilà pourquoi la moindre contre-attaque a raison de vous. N'oubliez pas qu'il faut trouver l'équilibre en toute chose. L'équilibre pigé, je tâcherai de m'en souvenir, monsieur. Et voilà, il est mort. Il a décédé, voilà. C'est bon, il n'y a plus de patrouille. Cela étant dit, si vous combattez côte à côte, vous devez très bien vous compléter l'un l'autre. Oh, you touch my tra-la-la. Compléter. C'est exactement ce que je me disais, monsieur. Bah, deux troufions ensemble, ça restera des troufions. LOL. Ah, je suis un peu vénère là aujourd'hui là. On serait plus efficace ensemble que séparément, pas vrai? Et qu'est-ce que t'en dis, l'ami? On fait équipe? Non. Deux têtes valent mieux qu'une, hein? Isbas. Quelque chose ne va pas, monsieur? Comment? Non, tout va bien. Désolé, excellente idée, oui, excellente idée. Entraînez-vous ensemble et vous deviendrez un jour des soldats dignes de ce nom. Ah, il a eu des souvenirs du passé avec Erdart, là, j'arrive pas à prononcer son prénom, mais l'autre Bambi. Faut que je vois comment ça se prononce, son putain de prénom de merde, à l'autre Bambi, là. Et dans ce cas, si vous le permettez, on va partir tous les deux en patrouille. Allez.
Allez donc tuer du brigand. Bonne idée, allez-y. Allez pexer un peu. Eh monsieur, à moi s'il vous plaît. Philippe ! Viens ici que je te bute ! Tu n'es pas encore prêt, travaille plutôt tes positions. Petit con. Fais l'exercice que je t'ai montré, nous nous entraînons bientôt ensemble. Tu as du talent, petit. Mon petit. Mais c'est vrai ? Non. Tu l'es ! Rares sont les garçons de ton âge capables d'apprendre aussi vite à manier l'épée. J'en ai entraîné plus d'un, crois-moi. J'en ai tué plus d'un aussi. Putain, je me transforme en Théo Silverberg, là ça va plus, là. La fiche, très. Merci, monsieur. Et mon père, il n'est plus parmi nous, vous savez, il est mort à la guerre. C'est ce qu'on m'a dit. Surtout ta mère qui est trop bonne, non ? Très bonne, celle-là. Et c'est ma mère qui s'occupe seule de moi maintenant, monsieur. Mais bientôt, bientôt je serai un homme. Et ça sera mon tour de m'occuper d'elle. Elle a la chance d'avoir un fils aussi courageux. C'est pour ça que je veux devenir plus fort, monsieur. Philippe qui a 36 000 voix, je suis navré. Fuck the police. Je vais protéger ma mère et le reste du village. Après tout ce qu'elle a sacrifié pour moi, c'est le moins que je puisse faire. J'ai eu moi aussi quelqu'un protégé autrefois. Mais tu t'es chié, lol. Mais monsieur. Ce n'est rien, juste de vieux souvenirs. Continue à t'entraîner, tu seras bientôt un homme digne de ce nom, petit. Et comptez sur moi, monsieur. Putain, c'est tellement chiant de doubler les gamins, putain. Je devrais faire le tour du village. Ok. Ah bah d'accord, ok, c'était rapide comme tour. Tu fais 2 cm. Qu'est-ce qui se passe? Les brigands, ils nous attaquent! Monsieur Berg, s'il vous plaît! Les brigands, ils viennent de montagne! Oui bah c'est bon, j'arrive. J'arrive! Mais avant ça, je vais parler aux vieux. Je vous en prie, Berg, rassemblez les hommes que vous avez fermés, chasser ces maudits brigands. D'accord, le mec il peut du tout paniquer, tout va bien. On va y aller tranquille, hein. Pom. Bah, si vous ne savez pas à qui ils ont affaire, gigigigig. Oui. On est plus nombreux qu'eux, encerclez-les. Et tripilez avant que le patron découvre qu'on a été ralenti par des pouilleux. Essayez un peu, cette brute. Et vous ne passerez pas. Bouf, oh. Maudits soient ces cutéreux, ils savent se battre. Le PGM est là. Monsieur! Bon travail, ils avaient fait ce qu'il fallait pour les tenir en respect. Laissez-moi me charger du reste. Oh! Tellement classe. Non mais t'es qui, toi au juste? Ta mère! Si c'est magique qu'il va nous mettre la pâtée à lui tout seul, c'est un salgué de première. Oh, t'en as une jolie petite épée, dis donc. J'en connais un rayon sur les chevaliers errants, tu sais. Je les zigouille des tas, il est plus curieux que toi. Chasseur, je le sens pas celui-là. Vous avez tous les deux raison, je ne suis qu'un simple chevalier errant et mon nom n'a nul d'importance. Oh. Vous êtes venu chercher les ennuis, vous allez les trouver. Pourquoi ou je te coupe la langue? Assez discuté, on va l'embrocher, moi. Et du coup, on se bat contre des brigands de Souras. Ouh, t'as deux, toi. Écoutez, ce qu'on va faire. On va faire ça. Moi, je vais prendre un peu cher. Là ensuite, on fait une taillade horizontale. Pouf, ils sont tous en faille. Et là, bam, kai. Pouf, oh chat, il a survécu l'autre, what the fuck. Oh le mec. Mais c'est ça, vas-y. T'as raison. Toi, tu t'es servir d'une épée pour sûr. Mais on n'a pas dit notre dernier mot, hein, ça non. Oh non. Attends seulement que le patron apprenne ce qui s'est passé. T'es un homme mort, t'entends? T'es un homme mort! On verra ça le moment venu. Ah voilà, c'est bon. Non, pas dans le taille pour cet épisode, putain, j'ai dit. Au secours, mon fils! Lâchez-moi, espèce de sale. Nani! Philippe! Je sais où tu te caches! Monsieur Berg, il m'a enlevé! Mon pauvre Philippe! Puis essayer de me protéger, mais c'est sauvage! C'est bon, t'en refais un autre, et puis voilà. Malédiction! Et pardonnez-moi, ils étaient si nombreux! Ça n'a plus aucune importance, il faut sauver le garçon maintenant!
On sait où les trouver maintenant, ils se tarent dans une grotte en plein cœur des montagnes. Ah bah voilà. Alors allons-y, les dieux seuls savent ce qu'ils comptent faire de lui. Maté. Non. Ah, attendez. Mais monsieur, il faut intervenir tout de suite, et est-ce que de tuer le petit? Bon déjà de 1, c'est qu'un petit. Si vous partez, qui protégera les femmes et les enfants lorsque les voleurs reviendront? Non, non, vous ferez ainsi exactement ce qu'ils espèrent vous voir faire. Et partent les dieux, il y a donc rien à faire, monsieur? Si, je vais partir à la recherche du garçon. Tout seul. Et seul, mais monsieur, même vous. Restez ici pour défendre le village. Au moins jusqu'à vous soyez sûr qu'ils n'en viendront pas. Et chef! Merci beaucoup, monsieur vieux. Vous êtes le seul espoir de ce garçon, Berg. Vous êtes notre seul espoir. Pouvons-nous compter sur vous? C'est comme si c'était fait. Par pitié, monsieur, ramenez-le moi sain et sauf. Oui, oui, un petit morceau, t'inquiète. Vous avez ma parole. On va le trouver, ce Philippe. Et voilà, du coup, c'était le résumé de l'histoire de Beric. C'est pourquoi il me faut sauver le garçon de cette bande de canailles. Pardon, vous voulez m'apporter votre aide? Moi, j'ai l'air de quelqu'un qui sait se battre. Ce serait un honneur d'être votre compagnon d'armes. Ces vils brigands ont emmené Philippe dans leur repère, au nord du village. Attends-nous. Mais ça, on verra ça au prochain épisode, les bambis. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai un peu de mal à faire les doublages, ça, il fait trop chaud là où je suis en train de crever. Mais enfin bref, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode d'Octopath Traveler dans quelques jours, je pense ce week-end. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de commenter, de partager, hein, comme d'habitude, la devise YouTube. Sur ce, je vous souhaite, écoutez, un bon week-end, et je vous dis à la prochaine.